à Tananarive, gestion des parkings difficile. Le nombre de véhicules en circulation est en nette augmentation, ce qui rend difficile la gestion des parkings, a fait savoir Jean-Luc Rahac, directeur de communication de la commune urbaine d'Antananarive. Il n'a pas manqué de mentionner que le renouvellement des permis de stationnement prendra fin le 15 février prochain, tandis que les usagers pourront s'acquitter des frais y afférents à partir du 15 mai. Ces frais s'élèvent à 600 000 arrières par an, avec une révision annuelle à la hausse de l'ordre de 5 à 8%. Cette année, 500 autorisations ont été délivrées par la commune, notant que l'attribution de parking réservé est soumise à l'autorisation de la municipalité. Seulement un projet qui est déjà en cours permet à des organismes privés de gérer des parcs de stationnement comme celui situé devant le cinéma Roxy. Ce projet est en phase d'essai.